Voilà. Ça, c'est moi. Enfin, là, je suis mort. Et j'ai pas toujours été comme ça. Faut dire que d'habitude, je suis un petit peu moins plié. Un petit peu moins dans les bois. Un petit peu moins mort. Mais le mieux, c'est que je vous explique depuis le début. Vous êtes prêts? Et je me présente. Ben. Comme je dis toujours, une bonne journée commence toujours par un bon caca. Et il est 16h du mat. Ce soir, je sors avec les potes pour que je me bichonne. Deux secondes. Avant de continuer l'histoire, je dois vous expliquer. Ma vie, elle est faite de... ça. Ouh, j'ai déjà eu ça aussi. Puis il y a ça. Il y a ça. Enfin, oui, ça, mais pas assez souvent. Hop, hop, hop. Revenons à nos moutons. J'étais prêt pour affronter cette soirée mortelle. Mortelle. Enfin bon, c'est parti. Donc j'étais peinard avec les potes. On teasait bière sur bière et connerie sur connerie. Comme d'hab, quoi. Et puis là... oh putain, là... oh, il y avait de quoi devenir poétique, je me sens tout... alors là, je me suis levé. Fallait que je lui parle, que je la sente que... oh putain, mais plus je m'approchais, plus elle disparaissait. Et j'avais beau faire un pas, elle en faisait 10. Et puis je l'ai vu s'enfuir. Avec un de ses regards, les enfants... je devais savoir qui c'était. Alors je l'ai suivi. J'ai pas pu la perdre comme ça. Elle était juste devant moi. Elle était où? Et elle s'enfuit encore une fois. Alors là j'ai couru. Et j'ai couru encore. Et puis la route s'est arrêtée. Et là, il y avait une vieille. Vous auriez pas vu une fille, une grande, avec une robe rose? Non, j'ai pas vu. De toute façon, il faut pas y aller, il faut pas regarder. Faut pas... non, j'ai vu personne, faut pas la suivre. J'ai vu personne. Faut pas aller par là. Donc là, j'ai mis de côté les conseils de la vieille. Je suis entré dans le bois. Un bois tout noir. Je la voyais plus. Je cherchais, je regardais. Noir, noir. Je la voulais, je la voulais. Ah! Ah! Ouais! Et là, je suis mort. Je me suis bêtement pété la gueule. Et pourquoi, au fait? Ça vous est jamais arrivé de faire les choses avec passion? Foncer tête baissée? Et... enfin bon, qu'est-ce que je raconte comme connerie, là? Finalement, on n'écoute jamais assez les vieux. Enfin... allez, tchuss. Salut.